水遁水晶派。Tobirama Senju, deuxième Hokage de Konoha, légende du monde. Tout comme Hashirama, il n'était pas enfant de guerre qui devait se cacher pour survivre. Tobirama était enfant de guerre qui devait se battre pour survivre. Dieu des jutsu et du suiton, il a toujours su démontrer son immense puissance globale. Durant son époque, Tobirama était considéré comme étant l'homme le plus puissant. Aucune personne ne pouvait espérer le combattre un contre un parce que l'issue était forcément annoncée à l'avance. Il a passé sa vie à protéger Konoha et il n'a jamais laissé qui que ce soit s'en prendre à son village. Fondateur des différentes instances du village de Konoha, Tobirama était un véritable précurseur en la matière. Tobirama est un génie et il a permis à son village de toujours être en avance par rapport aux autres villages ninja. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei. Aujourd'hui on parle de Tobirama Senju, le deuxième Hokage du village de Konoha. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo pour me soutenir et si vous voulez rejoindre l'aventure Naruto, n'oubliez pas de vous abonner. Juste avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler quelque chose de très important. Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vit. C'est parti! Tobirama était le second de Hashirama du clan Senju. Il épaulait fortement et l'épaulait tellement qu'il était considéré comme étant le deuxième chef du clan Senju. Il prenait beaucoup de décisions et Hashirama l'écoutait toujours parce qu'il a su lui montrer qu'il était de très bons conseils. Le clan Senju était l'un des clans les plus puissants de son époque. Les shinobi de ce clan sont des descendants du Rikudo Sennin. Ils ont un excellent niveau au taijutsu, une grande force brute, une grande vitesse, une grande résistance et beaucoup de chakra. L'une de ses particularités, c'est que Tobirama était un immense ninja sensoriel. Les ninjas sensoriels sont des ninjas capables de repérer d'autres ninjas et pas que, mais ceci n'a quasiment toujours été utilisé que pour ce genre de détection. Avec cette faculté, nous pouvons faire plusieurs choses en combat. Nous pouvons par exemple aveugler l'ennemi et l'utiliser afin de le repérer facilement et lui porter de gros coups. En cas d'embuscade, on peut également repérer des ennemis, on peut connaître leur nombre, tout ça tout ça. Tobirama est un expert de cet art et il a toujours su l'utiliser à la perfection. Depuis tout petit, il est excellent en la matière, mais dans le futur, il l'a tellement perfectionné qu'il a été considéré comme étant l'un des meilleurs au monde. D'un seul doigt, Tobirama est capable avec une précision presque inégalée de détecter l'emplacement exact des adversaires, de savoir combien ils sont et de connaître leur chakra. Le titre de second Hokage du village de Konoha prouve qu'il avait un énorme niveau de puissance. Tous les hommes qui ont été Kage pendant les conflits historiques ont toujours été les plus puissants. Hashirama, Tobirama, Hiruzen, Mu, le troisième Raikage, Gengetsu ou encore Minato. Hashirama était le Kage premier du nom le plus puissant au monde. Tobirama était le Kage deuxième du nom le plus puissant au monde. Durant les conflits historiques, les Hokage ont toujours été les plus puissants au monde. Par conséquent, son titre démontre clairement son niveau. À son époque, Tobirama était capable de battre n'importe qui sur Terre et personne ne pouvait le battre. Pour celles et ceux qui l'ignorent, le Kenjutsu est l'art de manipuler le sabre. Bien évidemment, Tobirama excelle en l'art du Kenjutsu et surtout, il parvenait à la combiner avec sa téléportation. C'est avec cette combinaison qu'il est parvenu à battre Izuna assez facilement, alors que Izuna avait le Mangekyo et qu'il était l'égal de Madara. Tobirama est l'homme le plus intelligent du monde de tous les temps. Il a inventé beaucoup de jutsu et certains ont été enseignés aux quatre coins du monde. C'est Tobirama qui a créé tout ce qui fait aujourd'hui la base d'un village ninja. L'Onbu, le département de police, l'académie Shinobi, l'examen des Chunin, tout ça, tout ça. Tobirama est véritablement le précurseur par excellence. S'il y a bien un mot qui représente parfaitement Tobirama, c'est le mot ninjutsu. C'est simple, Tobirama est le plus grand inventeur de jutsu au monde de tous les temps. Il a inventé des jutsu qui prennent 50% de la trame narrative de Naruto et Orochimaru le considère comme son modèle. Rien que ça nous dit qui était Tobirama Senju. «
phobie Rama est une maîtrise parfaite des 5 chakras élémentaires, ainsi que du Yin et du Yang. Ce n'est pas avec du Katon ou du Futon que Tobirama est connu dans le monde entier, mais pour du Suiton, parce qu'il en est le meilleur utilisateur de tous les temps. Même un expert en Suiton comme Kizame ne rivalise pas avec Tobirama. Son Suiton est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de source d'eau ou de cracher de l'eau pour en créer ou en manipuler. Même Kizame ne peut pas réussir cet exploit. Voici quelques-unes de ses techniques qui faisaient sa réputation. Suiton Sujin Enki. En mode réincarnation au début de Naruto, donc pas à sa pleine puissance, il a rapidement créé une barrière pour contrer le puissant dragon Katon de Hiruzen. Suiton Suidano Jutsu. Tobirama l'utilise pour découper l'arbre Shinju, qui est l'arbre divin. Les larmes célestes. Ça, c'est un exemple parfait qui démontre bien que Tobirama a beaucoup de techniques, mais qui malheureusement n'ont jamais été montrées. Cette technique ne nécessite aucun mudra, et elle est parfaite pour surprendre l'adversaire. Ce que Tobirama fait, c'est qu'il change l'eau de sa bouche en aiguille avant de les balancer très rapidement. Suiton Suidano Jutsu. Suiton Suryudan no Jutsu. Ça, c'est un dragon à queue, donc une technique dévastatrice qui utilise la vitesse et la pression de l'eau pour attaquer, mais en version dieu du Suiton. Pour en faire un shinobi a besoin de faire 44 mudras, alors que Tobirama ne doit en faire qu'un seul. Enchevêtrement scalaire des parchemins. Voici une technique dévastatrice que Tobirama a créée pour venir à bout de n'importe qui. L'utilisation infinie de parchemins explosifs. Avec le papier de la régénération de la réincarnation, la personne réincarnée crée des parchemins explosifs sans arrêt. Les parchemins s'accrochent comme des aimants sur la victime puis explosent, mais juste avant ça, d'autres parchemins sont créés. Si Obito n'avait pas été en Jinchuriki de Jubi, ou si la technique avait été en base de Senjutsu, il aurait purement et simplement été détruit à tout jamais. L'un des plus gros points forts de Tobirama est le ninjutsu d'espace-temps. Cette technique est tellement puissante que Minato en a fait sa principale force. Ce jutsu est d'une énorme complexité et pourtant, Tobirama est parvenu à le mettre au point. Ce jutsu est l'un des plus puissants au monde et ce, sans être offensif. La téléportation offre une protection presque absolue. Avec l'amélioration de ce jutsu, Minato est devenu intouchable en combat. Cette technique permet aussi de pouvoir attaquer sans que l'adversaire ne puisse se défendre correctement. Cette technique est incroyable. Comme Naruto, parce que Naruto c'est incroyable. Naruto vit. Voici la technique la plus dangereuse et démoniaque au monde. La réincarnation des âmes. D'après Kabuto, c'est la plus grande et la plus puissante technique du monde shinobi de tous les temps. Ce que dit Kabuto est à prendre au pied de la lettre parce qu'il sait de quoi il parle et parce qu'il nous l'a démontré dans l'œuvre. Avec cette technique, Tobirama pouvait réinvoquer de surpuissants shinobi et les faire combattre avec lui durant ses combats. Se pose alors la question de son frère Hashirama. Pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé afin de battre facilement les 20 shinobi de rang S qui l'ont attaqué? Je pense que la réponse est simple. Tobirama préférait mourir en même temps que ses ennemis durant le combat et avec honneur, plutôt que d'utiliser son défunt frère. Il faut simplement se dire que Tobirama pouvait le faire, et que ça faisait encore plus de lui le shinobi le plus puissant au monde. Le plus impressionnant avec Tobirama, ce n'est pas seulement le fait qu'il ait créé des techniques légendaires et surpuissantes, mais aussi et surtout qu'il en ait créé, qui sont encore aujourd'hui classées comme étant interdites. Exemple concret. Quand Sasuke a dit au Kage qu'il voulait annihiler Konoha, Tobirama s'est énervé et allait utiliser une technique interdite avant que Hashirama ne le stoppe. Deuxième exemple concret, quand Sasuke allait mourir après son face-à-face contre Madara, Tobirama allait utiliser une technique interdite pour échanger son âme avec celle de Sasuke afin de lui sauver la vie. Tobirama a donné sa vie pour que les jeunes fleurs de Konoha puissent continuer à pousser et à fleurir. Enfant de guerre, il n'a connu que le sang, les entraînements, les combats et la souffrance. En tant que second de Hashirama Senju, le Shodaime Hokage, il ne devait pas faillir parce que ce n'était pas permis. Quand son grand frère est mort, il n'a pas eu le temps de pleurer et ne pouvait pas s'apitoyer sur son sort. Il devait rester fort pour son clan, pour son frère et pour son village. Tobirama savait que la moindre erreur
ses efforts, les efforts de son frère et ceux des shinobi de Konoha tomberaient à l'eau. Tobirama est toujours resté droit et n'a jamais trahi ses idéaux. Il était aimé par les villageois, ses amis croyaient en lui et ses hommes ont toujours eu un immense respect pour lui. Il a parfaitement su former la génération suivante et a su faire en sorte qu'il soit digne de reprendre le flambeau. Le temps lui donnera raison parce que son élève et successeur Hiruzen Saotobi a su mener à bien les trois grands conflits shinobi. Tobirama est un grand homme, un grand ninja et un grand Hokage. Allez, Jane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.